Je suis venue présenter la plateforme HandiConsult, qui est une plateforme de prise en charge somatique des patients en situation de handicap. Donc elle s'adresse à des adultes, hein, puisque c'est une plateforme qui est située à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, en situation de handicap et des patients qui sont en échec de soins dans le système de droit commun et donc qui ont besoin d'une prise en charge en soins de courant, de gynécologie médicale, par exemple pour les femmes, prise en charge de la douleur, prise en charge en soins bucco-dentaires. Tous les types de prise en charge. Et donc, on peut offrir ce type de prise en charge sur la plateforme qui a été montée grâce à un financement de l'ARS, donc l'Agence régionale de santé, qui souhaite développer ce type de plateforme dans chaque département. Et donc, ce qu'on peut offrir aujourd'hui, donc ça fonctionne soit sous forme de téléconsultation pour préparer la consultation en amont, soit de consultation, soit d'hôpital de jour. L'idée, c'est qu'il y ait une unité de lieu et que les médecins se déplacent sur la plateforme pour voir les patients en situation de handicap.